pas moyen d'en placer une aujourd'hui. Les 73-51, les stations fréquence de Dundee 33 sur la Gironde. USB là sur le canal 19, c'est un peu dommage. La station qui est derrière, 73 Amitié, l'opérateur Patrick et la ville de Gap, retour de micro. Ok, ben je vais essayer de passer devant. Les 73-51 tous de la part de Dundee 33, Rémi, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Oui, effectivement, c'est l'air d'être compliqué de votre côté. Je disais donc, les 73-51 tous de la part de Dundee 33. Rémi, à côté de Saint-Émilion sur le département de la Gironde. Attention, nounours, guimauve et chocolat, est-ce que t'es en fréquence? Attention, Drakkar. Do you want?
ça va être compliqué l'affaire. On entend un petit peu derrière. Alors avec la propa qui commence là sur du côté de chez nous, là, se lance vraiment là du côté de chez nous. J'étais en écoute sur le web SDR de Montréal-Laval. Et justement, j'étais en train d'écouter les Américains. Ah, c'est le, comment ils disent là-bas, le Powerball sur ce canal. Il semblerait qu'ils en aient effectivement des grosses comme ça. Oh, ça marche bien. Combien, 0,5? Ah oui, c'est plein est par rapport à nous sur la Gironde. Putain, c'est marrant ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un me disait qu'il n'y avait personne de ce côté-là. Et comme quoi, quand on n'écoute pas, on n'entend personne. Bon, pour les novices, vous voyez, tout se passe bien, c'est la bonne franquette, on vient comme on est, et puis voilà. Ça se passe dans la bonne humeur, donc le respect avec. Personne ne cherche à, entre guillemets, manger l'autre. Pour pas espérer mieux. Et là, dans la blagounette, l'herbe est pas plus verte ailleurs. Pour ceux qui ont un simple 40 canaux multimode, eh bien la fréquence d'appel DX, elle est là. Canal 38, en Lima, Sierra Bravo. Bon, évidemment, là, pour la petite présentation du canal au niveau des novices, là, c'est un flop complet. Hachi 3 coups. En sup, eh bien, c'est celui-ci qui est le tout premier canal d'appel, le
Canal 44 ou 4 sup. Alors, beaucoup les critiquent, mais ils dérangent personne. Hein. Ils sont sur leur canal de dégagement. Ils sont pas sur un canal d'appel, rien. Un canal de dégagement. Donc, ceux à qui ça plaît pas, eh bien, voilà. Il suffit de faire comme ça. Oh, qu'est-ce qui m'a fait monter le signal comme ça? Jean-François, donc le département de l'Hérault, le 34, là, 20 km en dessous de la ville de Montpellier, petit village. T'as ça compresse, hein, au niveau du micro. Bravo, Alpha, Lima, Alpha, Romeo, Uniforme, Charlie. Voilà, juste à côté de la ville, ça doit prendre un petit peu dans un triangle, c'est entre Montpellier et. Allez, on peut les contrôler. Alors la propague est montée d'un coup, hein. Là, il y a quoi, il y a une heure de ça. Il n'y a rien de tout ça. Bon, plus haut, c'est pas la peine. T'es moi non plus. Quoi que je dis ça, mais bon. Peut pousser le micro, sa moustache, sa bave. Alors, il y en a qui disent que c'est les Alpha Lima qui font baver partout, pas forcément. Dans pas mal de cas, c'est le micro, quand il est trop poussé, qui fait baver comme ça, comme on a vu là, de chaque côté. Non, pas QSO, QSY. Hachi. Hop. Bon, alors. Oh oh.
CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Pardon. J'ai pas eu retour. Ah la vache. Comment ça s'appelle déjà? On dirait du... C'est pas DSB? Delta Sierra Bravo? Quand les deux modes se confondent. Bon bah là c'est pas la peine. Ouais, c'est un DSB. DSB, c'est émettre en même temps en uniforme Sierra Bravo et Lima Sierra Bravo. Alors, il y a un sujet qui traite justement de ça sur le forum, dans la rubrique radio amateur et autre type de radio. Après tout, pourquoi les postes de CB sont pas sur les deux modes en même temps? Ça serait pas mal intéressant, ça. Enfin, je dis postes de CB, parce que j'ai en face de moi, Hachi. Bon. Attention, Nounours, Guimauve et Chocolat. Le Drakkar, est-ce que vous êtes en fréquence? Ah, il doit être dans le coin, enfin dans le coin nord de la France. Hachi. Mais il y a de fortes chances qu'il soit en fréquence. Oh oui, le connaissant. Là, la minute même, j'aurais envie de dire que la propague est différente d'hier. Quoique, si lui, je le coupe. Zut. Ah oui. Vous voyez l'avantage d'un filtre DSP? Voilà l'avantage d'un filtre DSP. Chose derrière. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ah ben. Bon, ben c'est pas la peine. Et quoique, c'est peut-être un Français. Pas vraiment. Il n'y a pas de montée de descente, il n'y a aucune amplification radio, rien du tout.
À la vôtre. C'est quoi la question ? Je suis un peu moins vif qu'hier à prendre le micro. Parce que déjà là, genre si je peux arriver à entendre plusieurs personnes, c'est quand même plus intéressant. Hop là. Je suis parti ailleurs parce que je crois qu'il était à deux doigts de donner son adresse mail. J'en veux pas dans la vidéo. Coucou, comme tu dis, là, j'avais 7009, Mizan 7009, là, j'ai eu le RCI, plusieurs pas même la tripart aussi, plusieurs appareils là, des années 80. Quelle vache, comment il passe ? Voilà. Et actuellement, j'ai 90 hein, de Fégus, je me suis séparé, bon, il marchait très très bien, hein, très très bon appareil. Mais le problème est trop compliqué et trop petit pour ma vue là. C'est trop petit quoi. Les humains, quoi, tout ça là. Moi aussi, Daniel, c'est vrai que les petits pouces, moi j'ai des petits pouces de plus vertus comme on dit. Hein. C'est pareil, j'ai pas des grosses paluches, des grosses mèches. Mais quand tu peux bricoler avec ça, c'est pareil pour voir sur l'écran. Enfin, c'est pareil, moi j'ai commencé à avoir des problèmes de vue. Alors c'est pas toujours évident. Hein. J'ai commencé à faire des affichages, je ne commence à voir rien du tout. Hein. Oui, Daniel, écoute, je vais te laisser, je suis en contact, la propagation étant là, je pense que tu auras l'occasion de contacter d'autres personnes. Hein. Je vais te souhaiter la bonne fin de journée, la santé, bien sûr, prends soin de toi et de ceux qui t'entourent, comme on dit. Hein. Daniel, 14 Roméo, bravo Alpha 025, merci du contact, c'est 73 à toi, c'est une grosse pour le final. Break. Ça marche, je te remercie, du CSO, Saint-Patrick, en 73. Le monde X, c'est au plaisir de te rendre sur la fréquence là. Merci beaucoup, bye bye. Break. Ah. Aussitôt QRT, aussitôt QRT. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais tenter le coup pour voir. Ah, ça y est, ça rentre. Alors là, je fonctionne de sortie haut-parleur, qui est à droite, vers le micro d'ordinateur, qui est à gauche. Alors, c'est pas du tout bon comme branchement. Normalement, ce que je devrais faire, c'est... Allez, sortie casque.
une interface pour pour pas cramer la carte son de l'ordinateur. Alors certains font le branchement direct, sortie casque, directement dans la prise micro de l'ordinateur, mais c'est vraiment risqué. Vaut mieux mettre une interface. Il suffit d'un moment d'inattention et qu'on a cramé la carte son. Bon, ben, j'ai un petit bout bien dégueulasse de SSTV. Elle chie trois coups. Oh oh. Ah, ça capte toujours. Waouh. Quand on entend ça, c'est là qu'on a envie de creuser plus loin, d'être. Faut être curieux. Et voir, bon là c'est de la transmission d'image, et voir quelles sont les possibilités de transmission de fichiers. Comme on fait tout simplement sur Internet, mais par les ondes. Et là, du coup, si je connais pas du tout, hein, si les débits sont intéressants et tout ça, ça pourrait éventuellement remplacer Internet, puisqu'on pourrait s'envoyer des fichiers et tout ça, que ce soit fichiers, programmes et tout ce qui s'ensuit. Oh, yeah.
C'est casser les oreilles. La réception est vraiment pas bonne. Bon, ma préférence est de toute façon pour la phonie. Sud-Est. En passant 14 à 755, est-ce que tu peux faire un QSY 650, 650 et un QSY. Bon, d'accord. Ah. J'entends pas les autres stations. Point d'accent du Nord. Non, j'entends pas les autres stations. Ouais, mais c'est vrai que j'ai l'ouverture, moi, de ma falaise, là, quand je tire à l'arc.
Eh oui, plein est. Il n'y a que cette année que j'entends parfaitement comme ça, ce côté-là. La moustache. Sur le sujet. Ok, oui, mais il y en a besoin. Ok, je t'ai pas mon radio, ma CB, c'est, tu dois connaître, c'est un Jackson, moi c'est le Galaxy, Pluto, le Galaxy Pluto, tu sais qu'il y a le fréquence mètre, incorporé, ok, qui est ça. Marche bien. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le département de la Gironde, sur le sud-ouest de France. Ça veut pas. Alors. Ouais. Ouais, le Powerball. La cour de récréation, autrement dit. Bon, j'ai mon carnet de trafic Excel qui est ouvert sur le drive. J'ai vu que j'avais fait pas mal de conneries dessus. J'avais même marqué 2026. Oh, j'ai pris de l'avance. Ouais. Oh là, là il y a de la puissance là, qui est lâchée. Hein. Alors on voit sur internet des photos, des vidéos de gros 4x4 et tout ça avec des rangées d'alternateurs qui font toute la largeur du capot. Hein. Et puis les Alfa Lima, ben, ça prend tout l'arrière. Ouais. Alors le dernier coup, j'avais dit
je m'étais amusé à dire comme ça, ou si on entend les Américains, le Québec-Canada est pas loin. Eh bien, il y a pas longtemps après, il y a eu des stations du Nord qui ont justement attrapé le Québec. Du Nord, Nord de France. Attention, Nounours, Guimauve et Chocolat ou Drakkar pour Dundee 33 qui vous appelle. Pas encore. Peut-être dans une heure. Bon, faut que je me décide là. Ah oui. Quelle langue? Non, c'est bien en USB. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur EMI qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Non, j'y comprends rien, c'est pas francophone. Bon, qui ne tente rien à rien. CQO, CQO, CQDX, appel en direction du Québec-Canada. Appel en direction du Québec-Canada de 14 km 3301 opérateur EMI qui vous lance appel depuis le sud-ouest de France. Alors, c'est des secteurs en général quand ils lancent appel sur le 555. Ben, c'est pour avoir l'Europe. Sinon, c'est de ce côté-ci. Bon, ben là, ça va pas le faire. Il y a des habitués sur le Québec, justement, du côté de Montréal, qui se mettent ici. Cet hiver, tout ça, on a eu l'occasion de leur parler, et bien tous les jours. C'est... Ouais. Ok, on va pas déranger. La QSE est bien partie. Oh, ben là, c'est en train de me fuir. Thank you so much, everybody.
670. Attention, les stations en fréquence, c'est 14 Roméo Bravo Alpha 025, Bernard à l'écoute. Oui, les 73 Bernard, 14 Kilo Mike 3301 Rémi, sur le sud-ouest France. La station, il y a eu un petit passage qui a été couvert par surmodulation. 14 Kilo Mike, bonne interrogation, le département de 31, c'est correct? Non, département 33, donc les 73 à vous de 14 Kilo Mike 3301. Ah là là, c'est compliqué, compliqué. Il y a du monde en fréquence, il y a les Italiens qui sont partout, je ne sais pas de ton côté. 14 Kilo Mike 3301. Ici 14 Roméo, bravo, Alpha 025, Bernard, le département du Doubs, à côté de la ville de Besançon, QSL. Besançon. Ah mais en ce moment la propague de pour ma part elle est surtout surtout côté est hein, au niveau des départements français. Alors c'est étonnant parce qu'il y a que là oui cette année que je trappe un maximum de stations de ce côté-là. C'est super génial. Par contre j'ai pas eu Bernard, j'ai pas eu Roger là de l'indicatif. Il m'a été donné un peu vite. Hachi, retour. Mon indicatif c'est 14 Roméo Bravo Alpha 025. 14 Roméo Bravo Alpha 025. Département du Doubs, 20 km de Besançon, 50 km de la frontière avec la Suisse, température 27 degrés. Côté nord, sur le bord de ma fenêtre, côté nord, côté qui se trouve à l'ombre. Voilà. Retour 14 km 3301 si j'ai bien compris. Oui, le département du Doubs alors. D'accord, ok. Voilà, j'ai marqué ça sur mon carnet de trafic. Oui, affirmatif, 14 Kilo Mike 3301, opérateur Rémi. Voilà, sur le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Voilà, alors de mon côté, c'est un grand beau soleil. Je vois pas bien la température, mais à mon avis, là, il doit y avoir dans les. Je crois qu'il doit y avoir 33 degrés ou autour de ça. Là, c'est en train de bien chauffer, là, de mon côté. Et pour les conditions de trafic, eh bien, je suis avec un Yazoo FT450AT et sur antenne verticale, une vieille Sigma Mantova 8. Oui, Rémi, bien pris pour le passage. C'est passé dans la vie dans de très bonnes conditions. Hein. On est content de vous avoir. Et de mon côté, l'émetteur, c'est un Yazoo 857. Yazoo 857. Qu'à ce poste qu'on met habituellement dans les véhicules, micro d'origine, l'antenne de Delta Loop, deux éléments de chez Macou, Rémi, correct? Vous avez eu le passage? Ah oui, ah ben c'est du téléphone là de mon côté. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vraiment du téléphone là de mon côté. Là, c'est, je vous reçois dans de très bonnes conditions. C'est pour ça quand vous me disiez qu'il y a un peu qu'il y a de la surmodulation et tout, je suis chanceux. C'est l'herbe plus verte de mon côté à chi trois coups. C'est vrai que de mon côté, il y a les Italiens qui sont arrivés. J'avais des fréquences super calmes pendant une bonne partie de l'après-midi. Malheureusement, maintenant ils sont là et puis quand ils arrivent, c'est la bousculade. Je vous écoute. Hein. Enfin, c'est, ma foi, ça fait partie un petit peu de la radio. Hein. Quelquefois, il y a un peu de propagation et c'est la bousculade. On fait comme ça. Voilà, j'espère que sur la section de Saint-Émilion, le temps est bon. Là, vous n'avez pas d'orage dans le coin. Rémi, retour. Oui, merci pour le retour. Et bien, c'est quasiment, sauf hier soir, mais autrement là, tous ces derniers jours, c'est vrai que là tous les soirs, on avait droit à un petit passage d'orage, soit orage humide, soit orage sec. Et c'est vrai qu'en ce moment, cette année, la météo est assez particulière. Quand on regarde à la télé, c'est pareil. Hein, sur d'autres régions, en ce moment, c'est énormément d'orages comme ça. C'est de tous les jours. C'est vraiment étonnant comme météo là qu'il y a cette année là. On comprend pas trop quoi. Et même à la télé c'est pareil, hein, ils comprennent pas trop là cette année ce qui se passe là. C'est vraiment particulier. Ça veut peut-être tout simplement dire que plus ça va, plus on s'attrape des climats tropicaux quoi. Puisque évidemment avec le réchauffement de la planète, on découvre de nouveaux climats au passage. Hachi. Et en ce qui nous concerne, il ne reste plus qu'à nous habituer à ça, quoi. Retour. J'ai pris pour le retour, effectivement, les conditions météorologiques. Ici, c'est vrai que nous, dans la partie
nord de la France, on a un temps sec, et vous, là-bas, vous avez un temps plus humide. Là, j'ai eu pas mal de gens de la 104, la Corse, le 83, le 84, tout ça, le 13, ils ont eu beaucoup d'orages avec beaucoup de pluie et quelquefois un peu de grêle. Il y a certains endroits où ça a fait quelques dégâts. Ah, je suis obligé de te laisser, Rémi, c'est un peu rapide, et tu me l'excuseras, ma compagne vient d'arriver, je vais donner un petit coup de main. 14 Kilomike 3301, 14 Roméo Bravo 025, 73, bonne continuation, et puis peut-être à la prochaine fois. Un petit peu plus longuement. À bientôt. Oui, merci pour le retour. Ah, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, quand on est en DX, on sait très bien que qu'on privilégie plutôt des QSO courts. Donc déjà, d'entrée, il n'y a pas de problème pour moi. Ok, allez, les bonnes 73 à vous. 14 Kilomike 3301, Rémi. QR7 local sur la Gironde, Dandy 33. Et à très bientôt sur les ondes. Ok, Rémi, 73, à bientôt. Merci, bye. Comme c'est là, eux derrière, ils ne devaient pas nous entendre. Ouh, on devait peut-être pas trop les gêner. Non, j'en ai assez. Bon, ben, j'ai pu faire un peu de papotage. Je sais pas si ça se dit, mais maintenant oui. Bon, j'entends pas l'autre station. On aura l'impression qu'il est en train de rouler. Hein. Wow, comment ça bouge. Ah, ok, je reprends le micro. Le dernier passage sur Mali, c'était excellent. Hein. Je ne sais pas si tu as touché à quelque chose, Gérard, mais la mobilisation, c'est très forte. À peu près les mêmes conditions de l'écoute de la pire au lent. Voilà, bah, pour la Lausanne, négatif pour moi, je ne l'entends pas. J'envoie toutes les 73, 51. De la région parisienne, le 92. Voilà. Hey, Manu, attends le micro, ça marche très bien. Excellente mobilisation, reste comme ça, touche à pied, rien, microphone, impeccable, rien à dire. Vas-y Manu, on t'écoute avec plaisir, surpasse le micro en roulant, et après ma Gérard, j'en reste à l'écoute. Vas-y Manu, à toi. Et du monde sur la fréquence. C'est à ça aussi qu'on voit si... Non, je vais dire une connerie. Je dirai pas. CQDX, appel de 14 Kilomike 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France. Et dire qu'il y en a qui font tous les jours des paquets de contacts ici. Ah, il me faudrait un pylône de... Allez. Un petit 50 mètres. Non, ça parle pas français. Ouh, ça marche bien, ça marche bien. Les 73-51, les stations là qui l'on s'appelle.
Ah ben zut. Dehors du QRM. Oui, la station, les bandes 73-51 de Dindy 33 à côté de Saint-Émilion, la Gironde. Ouais, ça passe de mon côté, ça fait un peu le yo-yo, ça passe. Oui, je te copie, ça fait le yo-yo, c'est un petit peu compliqué. C'est par moment, bon, ça descend, ça te go 5, ça navigue, ça bouge. Un peu comme si tu roulais, quoi. Mais que tu roulais et que tu parles derrière le micro au lieu de parler devant. Un chi trois coups. Bon, voilà un petit peu de mon côté ce que ça passe. Donc c'est super, change rien. Daniel, à moi c'est Rémi. Dindy 33 et 73 retourné. Non, j'ai pas entendu Daniel. Que ça passe bien. Oh oui, monsieur, ça passe bien. La Moselle, les 73, la Moselle de la Gironde. Ah, t'as la blagunette, il y en a qui disent comme ça que la M... Bah, ça leur casse la tête, ça leur casse les oreilles. Tiens, mais il a de la chance, lui. Et il partage un peu, quoi. C'est un peu timide. Ah, ça crachote. Normal, c'est la FM. Moi je laisse un peu, je laisse un peu, je
Bon, ben bah, d'accord. Bon. On va pas déranger. Bon, attention, nounours en guimauve, huit chocolats, ce que t'es en fréquence. Oh, j'ai entendu un multibip, là, très très QRP dans le fond de la boîte. Les 73-51 de Dundee 33 du côté de Saint-Émilion. Ouais, j'entends surtout j'entends chuchoter dans le lointain, Hachi. J'entends juste en QRP le Roger Bip, mais pas plus hein, de mon côté. Bon, ben là, je l'ai perdu. Alors. Bon, en tout cas, pour le contact de tout à l'heure en PLU, j'ai fait ma EQSL sur Cluster DX et c'est envoyé. Alors, ce qui est bien sur ce site, c'est que si la personne n'est pas sur n'est pas enregistrée sur le site, eh bien, il est proposé de mettre une adresse email. Bien sûr, maintenant, il faut avoir l'adresse email de l'OM. Et moi, qu'allais dire que c'était que c'est plus calme qu'hier. Ah bah t'as. Je comprends rien en anglais, mais les chiffres ça va encore. Par contre là j'ai pas du tout Roger. J'en profite pour dire beaucoup de monde se cantonne ici. Beaucoup se plaignent. Mais perso, je lance que très peu d'appels dessus. Aller à la pêche au contact, c'est quand même plus. Plus fun. Allez surfer sur la vague. Non, ça, j'en ai assez. Oh, il y a quelqu'un là-dedans? Ok, merci. Parce que moi j'ai un autre PX qui tourne à côté, comme ça je le retrouve. Parce que moi j'aimais. Pour moi, oui, il n'y a pas trop de.
pas trop de soucis de ce côté-là, quoi. Bon, on va des confirmations, oui. Merci bien là, pour le repos, là. Break pour le Sud-Ouest France. Ok, ben au plaisir, Jean-Michel. T'as mis l'antenne branchée ou quoi? Il me semblait avoir entendu une station loin derrière. Oui. Oui, je vais essayer de passer devant, Hachi. Les 73 à vous de 14 kilomètres 3301, Rémi sur le département de la Gironde. Ok, Rémi, bah, tu es celle, ouais, donc c'est 14 kilomètres 3301, hein, c'est bien ça? Oui, affirmatif, 14 kilomètres 3301. Opérateur Rémi, QRZ local sur la Gironde, Dandy 33. Ok, bah ici opérateur Christophe, 14 Charlie Victor 88 de la ville de Vannier. Ça se situe au sud-est des Vosges. Ok, le département des Vosges. Eh bien, là, en ce moment, c'est vrai que là, sur le sud-ouest France, c'est surtout ben, toute la moitié est de la France, que ça aille du sud-est au nord-est, qui passe là, en ce moment, tous les jours. C'est super, c'est vraiment super. Ah oui, tout à fait, oui, 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 effectivement, hein, c'est tous les jours, à chaque fois, là, j'entends, que ça soit là, ici, en SUP, ou plus bas, sur les 40 canaux, là, sur le canal 19, par exemple, en AM, parce que sur le sur 19 AM, c'est la même chose, hein, ça passe tout aussi bien, c'est du pareil au même, hein, et c'est les mêmes régions qui passent. Vous pouvez me revenir avec le prénom, pour le coup, oui, parce que je suis en train de marquer ça dans mon carnet de trafic, Hachi, et pour le prénom, j'ai zappé. Ok, Christophe, voilà, c'est marqué, c'est bon. Ouais, il y a un autre QSO qui s'est installé en même temps derrière, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bon, alors, pour nous, là, sur le département de la Gironde, bon, ben, c'est un grand beau soleil, hein. Et la température qui va bien avec, qui doit être autour de 29-30, je pense, quelque chose comme ça. Et pour les conditions de trafic, eh bien, je suis avec un Yazu FT450AT et sur antenne verticale, une Sigma Mantova 8. D'accord, eh ben là ça devient un petit peu compliqué, là. Bon, ça réussit à passer quand même malgré tout, mais c'est vrai que là j'ai un petit peu de mal à sortir. Tout à l'heure j'entendais que vous demandez là au niveau du micro. Bon, on va dire qu'il y a peut-être une légère compression dans le micro. Bon, vous êtes un peu bas en fréquence, mais bon, ça c'est pas grave. Les postes sont équipés d'un clarifieur, je vous ai très bien clarifié de mon côté, et puis voilà, ça roule, hein. Ah ben alors là je vous ai perdu là sur la fin. Je sais pas si vous m'entendez encore, j'espère que oui. Parce que là c'est parti en cacahuète là de mon côté. Bon ben c'est pas grave. Merci pour le contact. Je vais vous laisser continuer de votre côté parce que là c'est vrai que là c'est. Je sais pas ce qui s'est passé sur la fin, ça a coupé net. Bon ben c'est pas grave. Je vous souhaite un bon DX de la part de 14 kilomètres 3301 opérateur Rémi sur le département de la Gironde dans le secteur de Saint-Émilion et bon QSO, bon DX de votre côté. Okay, ben, allez, ah ça y est.
Jacques ou Jacques, même de ton côté, là, oui, le signal est descendu au bout de la race. Oui, c'est remonté un petit peu, mais oui, là, ça fait vraiment yo-yo. Bon, c'est pas grave, hein. Les bandes 73 renouvelées, bon DX de votre côté. Ok, merci. Également pareil. Bye bye. Bye bye. Ouais, les stations. Il y a un carrefour, c'est des postes. C'est super, ça sert à ça. C'est plus que du décalage. Il doit être en terminaison 2 ou 7 ou quelque chose comme ça. Allez, on va aller à la pêche. Ouais, pas si vite. Ah, 14, Alpha Tango, 090, le département 90, le territoire de Poirot. Oui, 73 à vous, 14 Kilo Mike, 33 01 Rémi, le département de la Gironde. 39 plus 30 dB là, que c'est ? Waouh. Okay. Très bonne condition, la propagation est Ce coup-ci, je m'applique un peu mieux sur mon cahier de trafic Excel. Oh oh. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 Kilomac, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Bon, bon, bon. Et bonne soirée, bon contact. Oh, et puis, oh. Toujours au plaisir pour te saluer là. Ici 14 Alpha Tango 154 Daniel, département 54 la Meurthe-et-Moselle, qui termine avec 14 Alpha Tango 369, le département 1973. Et merci encore, bye bye. Break. Ah ben, aussitôt QRT, aussitôt parti. Pas grave. Oh, c'est en train de fuiter. Ok,
Il y a une port dur. 6, 5. Bon, tant pis. De mon côté, je vais éclairer. J'ai pas mal de choses à faire. Et... Bon, tapis. Oui, c'est pareil. Bon, vu l'heure, je vais retourner. Il y a de la propague qui est là, ok. C'est assez calme dans l'ensemble. C'est super nickel pour faire des QSO. Mais j'ai un rendez-vous qui approche sur le 19. Vu l'heure, je vais mettre là et attendre. Enfin, pas vous. Moi. Bon, je l'ai pas entendu. Je vais tenter le coup. Attention, nounours, guimauve et chocolat. Est-ce que tu es en fréquence? Attention, nounours en guimauve et chocolat, est-ce que tu es en fréquence? La propague, elle a dit non. On entend quelque chose à travers. Non. Ah, t'as plus rien. Pas grave, peut-être que CQ CQ CQDX appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le département de la Gironde, la sud-ouest de France. Là, je suis à fond. Là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le département de la Gironde. Je vais appeler les esprits de la propague. Waouh! On met ça. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi qui lance appel depuis le département de la Gironde. C'est de la dope ce truc, ça marche pas.
Pourtant, tout est ouvert. Hein. En dessous, j'ai mis aussi en vert. Mais sur l'écran de la caméra, ben, je suis pas convaincu. Hier, j'ai testé en rouge. Ça fait cracra sur la vidéo. Ouf. Qu'est-ce que je déconne. Allez, on la refait. Si je vois que j'y comprends rien de partout, eh ben on arrêtera la vidéo là qui est déjà bien longue. Comment dire? Au secours, je suis tout seul. J'ai peur tout seul. Ah zut, j'ai cru que... Ça a tourné. Je suis arrivé. Bon allez, on va passer à autre chose, au travail de la vidéo. Les 73-51, 14 km, 33-01, Dandy 33, Rémi.